La région de l'Est est composée d'une population dynamique au rang desquelles la gente féminine. La plupart de ces femmes sont regroupées dans des associations et réseaux d'associations féminines. Elles ont pour leitmotiv l'autonomisation de la femme pour un mieux-être de la famille et le développement local. Dans AFFM, nous avons recensé 11 réseaux de femmes qui correspondent à 11 communes de la région de l'Est. Et les communes qui ont des produits forestiers non ligneux, où les femmes collectaient déjà et puis trouvaient des moyens financiers à travers la commercialisation des produits forestiers non ligneux. Ces groupes sont déjà organisés au niveau de chaque commune. Et AFFM a donc fait la fêtière. Des différents groupes ont adhéré à AFFEP. Nous avons commencé comme réseau, le réseau des femmes de différentes associations, et au fur et à mesure, nous sommes en train de muter en coopérative. Donc, ces réseaux ont en leur sein des coopératives des femmes promotrices de produits forestiers non ligneux et des coopératives des femmes transformatrices des produits forestiers non ligneux. Et même là où nous sommes sur la même voie. AFFEP est en train d'être muté en TRAPAF, coopérative des transformateurs des produits agroforestiers. Donc bientôt, la dénomination aussi va changer au niveau d'ici. Elles sont depuis plusieurs années plongées dans des activités diverses. Les femmes se sont réunies, ont dit que certes, il y a des produits dans la forêt que nous, en tant que femmes, nous pouvons bénéficier. Et on a pris l'ondjansan pour qu'on puisse, n'est-ce pas, satisfaire nos petits besoins. Et on a fait appel à toutes les femmes, à travers ces produits forestiers non liés. Nous envoyons nos enfants à l'école pour ne plus rien demander à l'homme d'acheter ni le cahier, ni la scolarité. Ici au quartier Combitier, dans la ville de Bertois, l'association fédérative des réseaux des femmes promotrices de produits forestiers non ligneux a installé sa centrale de production pour la transformation des produits forestiers non ligneux. Ça n'a pas été facile, mais avec la communauté urbaine qui a compris la portée et l'importance de tous ces appareils, nous avons eu ce local qui est mis à notre disposition gratuitement. Nous ne payons pas de loyer pour les abriter. Et vraiment, c'était un très grand apport pour nous permettre de nous installer et mener ces activités. Ce groupement de femmes a à sa tête Marie-Joséphine Okole Mbunjo. La soixantaine entamée, cette fonctionnaire à la retraite bénéficie de la confiance de ses pairs et joue parfaitement son rôle de leader. L'idée d'entreprendre, c'est d'abord pour se rendre autonome financièrement. Parce que la femme, vous savez, la femme est le socle dans une famille. Et la femme dans une famille joue un rôle tellement important que si elle ne développe pas des idées, si elle ne se met pas au travail, n'est-ce pas? Même la cellule familiale ne va pas être épanouie. C'est comme ça qu'on a vu que qu'est-ce que nous pouvons faire pour déjà être des maillons utiles pour nos familles, pour notre communauté et pour notre pays. On a vu, on va transformer les produits forestiers non ligneux que nous avons déjà. Comme ça que nous nous lançons dans la transformation qui est pour nous une source de revenus. Une source de revenus qui va augmenter notre capacité économique, qui va assurer notre autonomie sociale et financière et de là, assurer notre contribution au développement de nos communautés, voire de notre pays. C'est notre façon à nous de le réaliser. Avec l'appui des partenaires,
elle a pu acquérir une unité entière de transformation des produits forestiers non ligneux en huile végétale. Nous avons bénéficié d'un appui en renforcement des capacités, déjà au niveau organisationnel et puis au niveau de nos capacités entrepreneuriales qui ont permis à notre partenaire qui nous appuie, il s'agit de la GIZ, de nous accompagner avec ces machines pour que nous ayons des produits mieux transformés, que nous allons mieux vendre et qui peuvent nous donner plus d'argent. La matière première provient des membres de la fédération dont les réseaux sont spécialisés sur le ramassage et la cueillette de ces produits forestiers. Vous savez que Mban, c'est un bassin de forêt. Avec ces produits, nous avons pris un produit plus fort, c'est le Moabi. Batoré, c'est une zone que je peux dire un bassin qui a deux zones, la zone de savane et la zone de forêt. Et si bien que pour trouver la matière première, ce n'est pas quand même facile, mais nous faisons des efforts à sortir la mangue sauvage et le ndiangsang. Le problème de matière première se pose toujours et à des échelons différents. Déjà, à la base, nous avons des produits dans les arrondissements, dans nos différentes localités, de l'éloignement de la matière première des villages. En Délélé, par exemple, il faut aller à 80 km pour avoir la bonne matière. L'éloignement. Donc, toutes ces localités ont ce problème d'éloignement de la matière première des femmes. Nous sommes déjà aussi en train de résoudre le problème en essayant de domestiquer ces essences, avec l'accompagnement du MINFOF et de la GIZ également, pour rapprocher la ressource des communautés. Et maintenant, au niveau de la zone fêtière de AFFF, nous avons aussi les... Il faut maintenant prendre les produits des différentes localités pour amener ici. Vous comprenez qu'il y a un problème sur le plan du transport. Et maintenant, intervient un autre problème. Il nous faut des permis de collecte. Pour collecter, vous devez avoir des permis. Les permis de collecte et maintenant les lettres de voiture pour sortir, pour pouvoir voyager avec. Ça fait qu'il y a des localités où on n'arrive pas à avoir ces papiers qui permettent de faire circuler les produits pour qu'on soit en règle avec l'État et la fiscalité. Une fois bien séchés, ces produits sont mis en machine suivant un circuit bien défini sous le regard vigilant de la machiniste qui veille sur tous les moindres détails, y compris la température ambiante. Le produit final, une fois embouteillé, est conditionné et prêt à la commercialisation et à la consommation. Nous transformons le Moabi cosmétique et pour la consommation. Mais après cela, nous avons pensé à faire autre chose, donc aller dans d'autres transformations, comme les crèmes de beauté, les savons de toilette, les gels de douche, voire même les parfums, pour ne pas rester juste au niveau local. Et puis nous vendons en ligne, nous faisons des ventes en ligne, nous vendons dans des séminaires, nous vendons dans des regroupements. Avec la mangue sauvage, nous faisons déjà les gélules pour l'amaigrissement. Et vous-même, vous voyez que ce sont des produits naturels, que nous ne mettons pas des produits chimiques.
parvenir à mettre sur pied cette entreprise, Marie-Joséphine Okolimbunjo est partie d'un constat. Nous partons du fait que nous sommes déjà des natives de la forêt. Donc nous vivons dans la forêt et les produits forestiers non ligneux, c'est notre quotidien. Nous les consommons et nous avons commencé à les collecter et les vendre d'une manière désordonnée et dispersée. Nous avons donc compris qu'il fallait d'abord se mettre en association et en groupe et puis changer la façon de faire, puisqu'on s'est rendu compte à la base que c'était des produits qui nous donnaient de l'argent, qui pouvaient accroître nos revenus, mais nous les collections et nous les vendions en désordre. Et au niveau de la transformation, nous transformions à la main. Voyez un peu l'urgence, il fallait moudre. N'était pas bonne. C'est comme ça que constitué déjà en association. Nous nous sommes mises dans une plateforme régionale qui est Affaires Faib, que vous visitez aujourd'hui. Et là, dans Affaires Faib, nous avons réfléchi comment faire pour améliorer la qualité de nos produits en les transformant et comment faire pour que ça nous donne plus d'argent et que ça nous rende plus autonomes. Aujourd'hui, tant bien que mal, la production avance. Marie-Joséphine Okolimbunjo encourage les femmes à rejoindre cette cause noble qui vise à assurer leur autonomisation économique à travers la valorisation des ressources agroalimentaires de l'Est. Marie-Joséphine Okolimbunjo ambitionne d'ailleurs d'accompagner cette association fédérative des réseaux des femmes sur le chemin de l'industrialisation. Pour le moment, les moyens sont limités. Je crois que nous sommes déjà sur la voie et qu'un jour nous allons nous présenter aussi comme des femmes, des industrielles dans la matière des produits forestiers non ligneux. Nous voulons compter sur nos compétences, nous-mêmes, notre abnégation à le faire. Si nous sommes soudés, nous-mêmes, nous sommes résiliente, nous pouvons à ce moment-là dire à quelqu'un que regarde-nous, voici déjà les efforts que nous faisons, apportez-nous quelque chose. Et vous savez, au niveau institutionnel, il y a des ministères qui peuvent nous appuyer là-dedans, dans ce besoin d'industrialisation. Il y a des ministères, il y a des personnes individuelles qui peuvent nous accompagner dans les autres régions. Il y a des groupes de femmes qui sont très loin, pourquoi pas nous à l'Est? Pourquoi seulement ailleurs? Il y a des personnes qui soutiennent ces groupes ailleurs. Vous pouvez suivre mon regard à un très haut niveau. Pourquoi ne pas aussi jeter un coup d'œil sur ces femmes de l'Est, ces femmes rurales de l'Est qui ploient tous les jours à ramasser les graines dans les forêts, à les transformer à leur niveau pour qu'elles aussi elles atteignent le niveau de l'industrialisation.